Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Kingdom Hearts 3. On reprend, on va pouvoir visiter de nouveaux mondes. Oui, mais je connais le principe, hein. Hop, avec Artemis qui est toujours en mode ultra pété. Nous avons donc niveau de combat 38 pour San Fran Tokyo. Je crois que c'est San Fran Tokyo. Non ? Bref. Et j'essaie d'aller dans celui du... Voilà. Et 34, donc ce sera Pirate des Caraïbes le premier. Nice. On y va toujours avec l'Artemis 2, hein. Ah, quoi que, on peut augmenter la puissance de l'Artemis 2. Parce que, wow, non, on va y aller comme ça, c'est pas grave. Bon, je peux pas le modifier. On soit bien d'accord, je peux pas. Oui, bon, bah, allez, go for it. Go for it. De toute façon, il est ultra puissant à l'heure actuelle, donc ça devrait être... Je veux dire, on a quand même battu le boss en moins de, je dirais, 1 minute 30 et tout pété tout à l'heure, donc... Ça devrait être bon. Handel! Par où? Jax, par où? On m'a pas mis le... J'ai mis non la deuxième fois, peut-être. Ouais, non, j'ai bien mis, pourtant. Où est-il? Là-bas. Très bien. C'est parti. Ah, j'aurais un peu plus à gauche, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. Je voudrais aller à gauche. Ouais, à gauche. Ouais, ce serait pas mal. Merci. Merci beaucoup. Beaucoup, pardon. Ouais, bref. Parfait. Merci. Merci. Bon, on n'est pas tout à fait là où j'avais décidé d'aller, mais pourquoi pas. Ah, il y avait des ennemis en face. On a combien de temps? 1 minute 30. Ah, 1 minute 30 de perdu. Hop. Hop. Ok. Allez. Ah. Non. Je t'aurai aussi. Très bien. Allez. Très bien. Un de plus. Ah, il en restait un là. Ah, je l'ai raté. Mince. Ok. Parfait. Eux, je les ai pas loupés. Non plus. Hop, lui je l'ai eu. Oh la vache, c'est de la glace qu'il envoie lui. Très bien. Allez, on est à deux doigts de passer niveau 37. Ah ça y est, le jeu me donne le rang A, parce que quand même depuis le début je recte tous les ennemis. Hein. Allez, c'est bon. Victory. Victory. On dit si j'allais voir le rang A, honnêtement. Pipipu. Dino volant. Ouais. Cool. Top moment. Oh, il y a des trucs par là. C'était quoi ce truc vert? C'est par où? Jax, par où? Merde, je l'ai perdu. Par là. Ça se pète pas ça? Très bien. Ah, mais c'est des algues. J'ai pas percuté. De le passer celui-là. On devrait être bon là, non? Hop là. Une dernière poussée. Oui, atterrir. Trésor 0%. Mickey. Dès qu'on a le dos tourné là. Oh, je l'ai déjà lu un million de fois celle-là, Mickey. Arrête de faire des ripostes. Tu retweets, mais ce que t'as tweeté toi-même, c'est nul. Boo. Shame on you. Bah. J'ai les yeux qui piquent. Je suis pas encore trop habitué à mon nouvel écran. M'arrache les yeux quand il y a du... En fait, quand il y a beaucoup de blanc à l'écran, ça m'arrache les yeux. Comme tout à l'heure, à un moment, on a eu une cinématique dans la glace, et la glace pétait beaucoup plus, et ça m'a niqué les yeux. Oh,
And to the locker the sparrow confined, look out, me heart is yo-ho. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. A god is thought she's a sparrow saved, look out, me heart is yo-ho. And brought a blackguard back from the grave, look out, me heart is yo-ho. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. The Flying Dutchman is on the hunt, look out, me heart is yo-ho. To punish a sparrow for his affront, look out, me heart is yo-ho. Un poil long. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. Within the chest his secret sleeps, look out, me heart is yo-ho. The heart of David Jones still beats, look out, me heart is yo-ho. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. Et bon, c'est fini. Ooh, nice. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. Why are you so happy? 'Cause we get to be pirates again. Yep, you always did like this world. How could anyone not? Still, it's a real shame we don't have a bigger ship. Got any idea where we're going? Where else? The edge of the world! Captain Sora! Oh? What ails ya, Mr. Goofy? The edge of the world! Aye! We're running out of sea, sir! Aye! We're running out of sea! Oh? Running out! Ça veut me dire qu'au bout, y'a plus rien? Ah oui, c'est con! En plus, ils ont tourné à bâbord. Tribord, c'est à droite. Tri-droite. Bâbord, donc, à gauche. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord. Non. Oui. Si. Ok, pourquoi pas. Ouais. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Dommage que ce soit sur fond noir, quoi. Mais pourquoi pas, c'est joli. Oh, il y a eu un truc très très moche blanc à droite. En haut à droite, dans la carte en haut à droite. Si vous voulez reculer pour le regarder, vous verrez, c'est... On dirait moi quand j'essaie de faire les trucs sur des fonds. C'est rigolo. Mm-hmm. Belle tenue de pirate, cela dit. Ah mais on est à sur le comment le ah c'est pas Nashville. Nashville c'est le rock and roll. Where'd we end up this time? Le lac de sel de peut-être Nashville. Je sais plus. We've been walking forever. I'm exhausted. Some pirates. We won't get anywhere without a ship. Hmm? A ship. Non, je sais plus. Sora. Bonne ville, de bonne ville, pardon. C'est bon, c'est vrai. Bonne ville. Oh boy! Ah, c'est pas une voiture de course. Il est beau, hein? Il est très très beau. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas vu la première trilogie de... Quelqu'un qui nous rattrape. Hey, Sora. Huh? Jack Sparrow! Captain Jack Sparrow.
sure is. Hey, Jack, where are we? Oh. Belay that! Ship absconding! Huh? Help me catch the Pearl before she gets away! Aye, aye, Captain. Si tu veux. Bonne ville, nous voilà! Ah. Ok. Aïe. Eh, tu me saoules? Oh! J'ai loupé. Très bien. Simba! À l'assaut. Aide-moi à courir. Allez. Il m'aura pas. Ah. Non, il continue. Ah, mais moi aussi, c'est-à-dire. Où c'est que c'est? Par là-bas. Aïe. Aïe. Hop, je vais arriver, hein, bah les couilles. Ah ah! Ah! Je suis trop fort! Salopio! Ah, mais. Eh, tu me casses les. Tu me casses les bonbons, toi! Vaisseau laser, voilà! Moi aussi, j'ai un ship! C'est parti! Oh mon dieu, ils ont des PV en quantité incroyable. Eh ben, dans deux. J'ai eu. Non. Non. Bloc. Très bien. Dis-moi, l'eau, ça doit pas te plaire, si? Fais quelques dégâts, hein, n'est-ce pas? Et ça? Très bien. Et ça? Ah. Tu veux pas mon glaçon? Regarde, regarde, j'ai un glaçon encore plus gros. Voilà. Bouffe. Allez, bouffe. Allez. Voilà. Contre ruade. Encore un contre. Je suis pas fan des contres. Je devrais être un peu plus dynamique sur ces contres, mais je suis pas méga fan, en vrai. Même si c'est sans doute très 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 stylé à voir, hein, j'en doute pas, hein, mais... Alors ? Ah, nice ! Non ! On est à la fin ! Bonne ville, où es-tu ? Où sont tes magnifiques voitures de course, tes voitures fusées, tes voitures... Les rocket cars ! Ah, c'est stylé, hein. Visuellement, ça claque. Tous reconnaissables. Hmm. Absolument tous, hein, même elle. Hein. Eux, ils sont pas censés être habillés en chinois. Pardon, hein, c'est pas du racisme, hein, c'est juste que c'est la culture. Hein. Alors, heureusement, la culture populaire est raciste. Pearl. Mr. Gibbs! Aye, Captain. I thought so. I expect you're able to account for your actions, then. Sir? There's been a perpetual and virulent lack of discipline upon my vessel. Why? Sir, you're in Davy Jones' locker, Captain. Hmm? Davy Jones' locker? I know that. I know where I am. And don't think I don't. I'm in Davy Jones' locker. Assuredly. Oh, Jack Sparrow. Mm-hmm. Barbossa! Oh. Ah,
Hector! It's been too long, hasn't it? Aye, Isla de Muerta, remember? You shot me. No, I didn't. Sora, we meet again. It's lovely to see you all. Oh, Will! Elizabeth! Is something about you different? Yeah, you look all swashbuckly. Well, I've seen some adventures, but I never thought I'd find you here. Speaking of, where exactly is here? What's all this about a locker? Davy Jones' locker. Jack neglected to repay a certain debt to Jones. So Jones sent the Kraken to devour Jack. And that's how he ended up here. Becca. Then, Davy Jones' locker? You're saying that we've gone beyond... Beyond the grave? And we're here to wrest Jack from his fate. Tia Dolma. Out and about, eh? You add an agreeable sense of the macabre to any delirium. He thinks we're a hallucination. Complete with these three masqueraders. Jack, this is real. We're here. We've come to rescue you. Huh? Have you now? That's very kind of you. But it would seem that as I possess a ship and you don't, you're the ones in need of rescuing. And I'm not sure as I'm in the mood. Jack! Cutler Beckett has the heart of Davy Jones. He controls the Flying Dutchman. He's taking over the seas. And he must be stopped. The Brethren Court is called. Leave you people alone for just a minute and look what happens. Everything's gone to pot. I'm lost. What's going on? Well, sounds to me like this Beckett fella they mentioned is trying to conquer the ocean. Oh. That's it, but that's the one that. J'arrive pas à savoir si on est en, on est en cinématique. J'avais un doute. On est en, pardon, on n'est pas en cinématique, on est en, on est dans le moteur graphique du jeu, je crois. Jack, we're on your side. So you are, mates. I never could have caught the pearl without you. Sora, Donald, Goofy, you're hired. Yes. Now, as for the rest of you. Tia Dolma, you're in. Gibbs, you can come. Weigh anchor, all hands. Prepare to make sail. Jack. Which way you going, Jack? Hey, c'est pas si simple, mon petit Jack. Jack, c'est par où? Right then, Mr. Sora, the helm is yours, provided you pass muster. Ah, un tutoriel. See that island there with the two peaks? Prove you can reach that, and the open sea is yours. Oh, aye aye. C'est parti. Élevez l'ancre et partez à l'aventure. Accélérer, ralentir, diriger. Déplacer la caméra, viser, R2 tirer au canon, R1 changer de perspective. C'est dynamique. Là, je suis à fond de cale pourtant. Ah, il y a peut-être pas tout le vent derrière moi. Je ne sais pas. Il est. Ah, ça ne va pas être si simple, semble-t-il. Alors, je vois un truc vert qui brille. Ça m'intrigue. Je veux tirer dessus. Hop là. C'est stylé, hein. Je me dois de le reconnaître. C'est stylé. Wouh! Il me fait penser qu'on a toujours pas fini. Ça aussi, ça. Je vais jamais pouvoir le finir.
Comment... Assassin's Creed Odyssey. Je vais jamais... Je le reprendrai quand j'aurai le temps entre deux let's play. Ne vous inquiétez pas. We do have a destination, right? I can't tell anymore. Chuck, it's just making it up. Bonjour. Cast your fate with Jack Sparrow, and you'll soon be sharing in the wrath of Davy Jones. The guy Will mentioned? Who does he think he is, anyway? And what did Jack ever do to him? Truly, you don't know who Davy Jones be. And on n'est pas vraiment d'ici. Be mean of the sea. Let's put it this way. We're from another sea. Are you now? Jack and Davy Jones' fate be intertwined. Jones, him raise Jack's precious pearl from the depths and make Jack captain for 13 years. Oh, c'est intéressant comme accent. Jack promised to give Jones his soul as payment, but 13 years pass, and Jack failed to return. So Jones, him send the Kraken to devour Jack, taking him and the pearl back to the depths. But if Jones learn that witty Jack cheat that fate, him gonna punish Jack even worse. And Jack's friends too. Are you talking about us? You mean that the Kraken's gonna eat us? Donald, il est criant de réalisme. I ain't scared. Not scared at all. That be rare. Most men, dim run for land at the mention of the Kraken. Not you. But Jack be scared. He want to be free of his debt to Davy Jones. That's why him need the box. Box? Oh, it be a chest. Where Davy Jones lock away the part of him that hurt. The pain it caused him was too much to live with, but not enough to cause him to die. And what part of him is that? Him heart. Est-ce que ça va faire de lui un sans-cœur, techniquement? De toute façon, on ne le sait pas depuis le début, le personnage. Comment peut-il faire ça? Un créature absent un cœur, et yet somehow able to keep existing. Not even my finest replica can claim that achievement. The secret must be in that box. I have to know what mysteries it contains. I believe our orders were to find the box and seize it. No more. Put a leash on that runaway curiosity. Always so short-sighted. Why would the organization seek me out just as soon as I was recompleted? If not to affirm my intellectual prowess and invest in my research. Every stride I make is a stride for all of us. Oh, really? And what exactly are we striding towards? J'aimerais du gameplay. Luxord, do I detect a hint of treachery in your words? What? Don't be absurd. But to be clear, I serve the organization. I don't share your need to please Xemnas. He's good at wrapping you around his little finger. Always has been. All I desire is the freedom to continue my research. Ansem the Wise refused to nurture my talents. So I cast my lot with Xemnas. With Xehanort, rather. Simple as that. I see.
And you don't care how he uses your research? Not in the slightest. All that concerns me is that I complete the perfect human vessel. That's all well and good, but I know this world better than you. Kindly stay out of the way. Oh, of course. Considering those pests have shown up, I'd hardly get anything done. I already know what to do with the pests. Then you can resume your stuffy studies. That's my boy. I'll be watching from the shadows then. Comme d'hab. Comme d'hab, comme d'hab. Très bien. Bon. Donc ils ont un navire aussi. Construit de toutes pièces par les ténèbres, sans doute. Hein. On va pas chercher plus loin. C'est magique. Voilà la seule. La seule raison. Bon, c'est long. Merci. Je peux jouer maintenant ou je dois encore regarder une cinéma? Ok. Thanks, Jack. You could have warned us. Yeah, everything went topsy-turvy and upsy-downsy. Well, at least we're back in the land of the living. Thank goodness. Never fear. All according to plan. But that be no reason to rest easy. Huh? A ship! Mm-hmm. I've never seen one like that. Ok, je sais qui c'est. Heartless! Ouh! Un dragon? Nice! Oh, moins nice! Et donc, il aurait touché juste. Don't impugn me, honor. Why would I conspire with them? But you did conspire with them. Could you discuss it later? Huh? Pourquoi je sais pas ce qu'elle m'a dit? Très bien. I sure do wish we could get a little closer. What? What are you? We can't do that. Et en grimpant sur un de ceux-là. We can. C'est ça qu'il va faire. Non. Donald and Goofy, protect the ship. I'll handle the Heartless. Tu te fous de ma gueule là. Tu voles. Pourquoi t'as donné ça? Tu volais il y a deux secondes. Bon, c'est stylé, cela dit, je confirme. Combat aérien, émis les sans-cœurs volants géants et protéger le sans-cœur. Altitude, virer avec. Maintenir à deux pour tirer plusieurs fois dans la direction que vous visez. C'est les torpilles qui vont la pourchasser. D'accord. Ok. J'y suis. En limite, si tu la suis comme ça, en fait, c'est beaucoup plus simple. En fait, tu lui fais masse dégâts. Ah non, tu fais pas tant de dégâts que ça. J'arrive pas. Ah. À me rapprocher suffisamment.
J'y fais pas tant de dégâts et elle en fait beaucoup plus au... Ah papa. Ah. J'ai essayé un truc mais ça n'a pas marché des masses. Hop là. Raté. Je sais pas combien de fois je peux enchaîner les torpilles en fait. Ça se trouve je peux les enchaîner depuis le début mais... Je fais ce que je peux, hein. Ça touche à un moment donné ou pas? J'ai l'impression. Halt. Halt. Faut grimper sur son dos. Montez. Ok, je monte. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ok. Ah. Barrière. Non. À quel moment c'est le danger? Ah, c'est long. Non. Ah, c'est chaud. C'est parti. Bourrage. C'est pas du tout chiant d'avoir le sang tout le temps. Ah, c'est pas passé loin. Allez, bourre. Qu'est-ce que tu... Non. Non, c'est pas mes sorts. Mais... hop là. C'est bon, je suis dessus. Tayo. Raté. Oui, je sais bien que je dois rester près du vaisseau, mais... Faut quand même que je reste suffisamment à portée pour... faire feu. Je vais essayer comme ça, hein, je suis curieux. En tout cas, je fais masse dégâts. Ouais, mais en tout cas, il prend masse dégâts, hein. Je sais pas si je lui en fais plus comme ça, en fait. Ouhou, je peux monter. Là, je vais lui en faire les dégâts. Vas-y, fais ce que tu crois que tu peux faire sans être puni, mais je te rassure, tu vas avoir tes punitions derrière. Hop là. Ah ah, salut. Coucou, bah gâteau. Bah tiens, regarde ton gâteau, le voilà ton gâteau, tiens. Bouffe ton gâteau. Bouffe le gâteau. Putain. Raté. Ça chauffe par là. Le gâteau, il est pour toi, il est pas pour être cuit, hein. D'ailleurs, cuit, hein, d'ailleurs, au passage. Cuit. Voilà, glissade aérienne. Ça, c'est bon signe, ça. On a plein de trucs de glissade en plus, de débloquer. Faudra qu'on voit ce que ça donne. Quand on aura accès à nos compétences, parce que pour l'instant, on enchaîne cinématique, tutoriel. Ah, ils ont pas mis véritablement la même musique que dans les originaux. D'accord. Et là, il t'arrive quoi, du coup? Bah ouais, t'es un petit peu loin et tout est en train de se casser la goule. Hop. Plouf. Sora. Tout va bien. Tout va bien. Donald? Goofy? Tout va bien. C'est les seuls à s'intéresser à moi, par contre, j'ai l'impression. Where are the others? After you fell, we came looking for you. I guess they must have kept going. Sympa. Oh. And I was so happy that we got to see them again. That's eager to sail under Captain Jack Sparrow. Oh?
Ah, merci, Jack. Tu remontes dans mon estime. Jack! Le fameux crabe. Oh oh, il est bien fait, dis donc, la vache. Oh, lui aussi. Ah non, pas tant que ça. Là, on est en cinématique. Which requires nothing from you but information. Regarding the brethren caught, no doubt. In exchange for fair compensation, square my debt with Jones. Guarantee my freedom. Of course. It's just good business. Were I in a divulgatory mood, what then might I divulge? Everything. Where are they meeting? What are their plans? Bon bah finalement je retrouve une île. Shall we? Shall we what? Some pirate won't get anywhere without a ship. So, let's go get one. Oh, yes. Et c'est tout? D'accord. Sora and Jack sure are cut from the same cloth. Use that key to free me, Sora, and you have my most certain promise. All the power under sea you ever wish for, be yours. Free her? How? Donc ce serait la princesse. What's wrong? Huh? Oh, nothing really. I'm good. Très bien. Placer, plonger, remonter. D'accord. Cercle pour nager plus vite. Très bien. La carte. Merci. Ah ah, point de sauvegarde. Très bien. Je sais pas dans combien de temps sera le prochain, mais... celui-là, il a mis du temps avant d'arriver. Hein. On est déjà à pratiquement 40 minutes de l'épisode. Et ouais. Je suis surpris par la longueur des cinématiques. Hein. On s'est bien bouffé 30 minutes de cinématiques minimum, là, en fait. Hein, on est d'accord. Hein. Alors, on a plein de compétences. Oh là 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 là. Contre, alors les contres, je prends pas disjoner les couilles avec le pinceau de l'indifférence. Glissade aérienne. Une fois, vous allez lancer dans une direction et esquiver l'attaque, d'accord. On aura une de plus, comme ça. Super glissade, en mode fluidité. D'accord. D'accord, très bien. On avait le combo qui était à 4. Pour augmenter de 1 combo au sol. On va enlever ça, on va mettre ça. Très bien. Et je suis bon. Ok, alors je vois que je peux potentiellement plonger ici. Non? On peut pas? Ah bah voilà! Il y a pas un... Alors déjà, oui, le gummiphone marche sous l'eau. Très bien. Un coffre? Ah, merde, je voulais pas plonger, je voulais plonger. Ok. Très bien. Bon bah, progressons. Hop là. Parfait. Et plouf. Hop là. Très bien. C'est stylé. Je dois le reconnaître. Y'a un homard là ou c'est moi? T'es en train de me dire qu'on va pouvoir du crabe. D'accord, ok, très bien. Oh. Je sais pas si je peux... Ah, c'est difficile de le... Foudre marine. Ouh. Ça donne quoi Oh. Mais du coup... Brasier marin. Ok. Pourquoi pas. Du cabillaud, c'est bon ça le cabillaud. Le dos de cabillaud. Ah là là. De la bonne bouffe par là.
Très bien. Je sais pas ce que j'attaque, je sais pas trop ce que je fais. Ça, je pense que ça va être assez coton. J'ai envie de jouer à Subnautica par contre. Ne vous inquiétez pas, hein. Bilo Zero sera là. Il n'y a pas de sushi. Il sera sur la chaîne. Des moules. Nice. Ouh, il y a une grosse raie là-bas. Comme la mienne. Pardon, c'était nul. Qu'est-ce qui était stylé? Ça c'était stylé, ça. Déjà, ah non. Et ça. Reste pas de glace. Bon, j'ai l'impression que ma magie est pas véritablement à son plus fort, hein, si je puis me permettre. Non, je voudrais descendre, s'il te plaît. Crac. Hello, it's me. Non. Ok, très bien. Je regarde pour moi. Ok, il y a des coffres par là-bas. Ah, c'est là. Aïe, d'accord, je peux pas toucher. Aïe, je peux pas les toucher, hein. Il y a des coffres. Crac. Panacé. Crac. Anneau royal. Très bien. Et là, méga potion. Très bien. Je peux casser ça? Wouh! Je peux. Et oui, c'est bien lui. C'est l'ami Sora. Il répond plaisant. Présent, il s'appelle Sora. Et Saint-Jacques, pourquoi pas? Encore un crabe? Bonjour. Oh, qu'est-ce que c'est? Rien. Ça aurait pu être de l'oxygène ou n'importe quoi, mais l'oxygène, c'est pour les faibles. On dirait l'attaque boule élec de Pikachu. En fait, non, c'est plutôt pété, hein. Parce que ça attaque tout ce qu'il y a autour. Vous avez vu? À l'impact, ça crée une zone. C'est intéressant comme différence, je trouve. Enfin bref. Un passage là où c'est moi. D'accord, tu fais ça juste pour les ingrédients? Ça c'est pas les ingrédients. Mais c'est intéressant sur le papier, hein. Oh, oh. Ah mais oh. Et le respect dans tout ça? Hein? Faut que je te l'apprenne? Bien joué, Donald. Ok, il y a juste des munis à récupérer, mais bon, c'est long, quoi. Alors, question. D'accord, je peux faire ça comme ça aussi. Très bien. Ion. Encore? Nice. On en trouve de la diamantine. Nice, Soulou. Ah, d'ailleurs, ce qui me fait penser qu'il faut que j'équipe la Keyblade à la place d'étoile filante, je vais équiper Neige Cristalline. Qui est aussi puissante que celle que j'ai actuellement. Alors que l'autre est améliorée comme c'est pas permis. D'accord, très bien. Ah. Oh, ça ressemble à une arène. mes liens, il n'y en a aucun qui marche. Très bien. Faudrait que j'évite de les gaspiller, cela dit. Et à que j'ai plus de mana. Très bien, une de moins. Encore une. Vous savez quoi? On risque... Ah, je peux pas changer de Keyblade dans la flotte. Très bien. Très bien, très bien. Voilà qui pose un problème. Ok, ça c'est propre. Oh, cette esquive était nulle. Plein de trucs sont tombés au sol. Hein? Vous croyez que...
Il y a des combos à faire avec... Oh oh. Oh. Ah, avec de la magie? Nice. Ok, très bien, ça passe. Chez moi, c'est ok. Ça, c'est encore plus efficace d'ailleurs. Et un coffre. Encore de l'oricalque. Ouh! Ça, c'est très très nice. Très bien. Attends, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on va par là? Non, que dalle. Qui doit vouloir dire qu'on n'est pas dans la bonne direction, ce qui est parfait. Ils ont beaucoup de PV. Vous avez remarqué? C'est efficace, dis donc. Hop là. Comme attaque à distance, c'est plutôt pas mal. Même quand tu vois Dingo bourré dans le tas comme ça, c'est vraiment stylé. Limite Donald est moins impressionnant pour le coup là. Hop là. Pierre grondante. Hop là. Hmm. Ah, il y a peut-être un combo avec ça, non? Attendez. Non, je regarde juste, hein, je fais les tests. Ah, apparemment par là, c'est la quéquette. Est-ce qu'on peut remonter un peu pour aller faire un tour là-haut? Très bien. Si, que dalle. Oh. Je la touche pas, hein. Je voulais passer par-dessus. Sauf si elle montait aussi et du coup elle avait une hitbox un peu plus grande. Voilà, il y avait bel et bien un coffre. Avec quoi dedans? Un mini-jeu. Très bien, très bien, très bien. Non mais c'est bon, j'ai compris, vous voulez absolument que je les fasse. Ah bah pour l'instant, j'ai pas le temps. Plus cette zone gaspille mon mana. Ah là là. Allez, ciao, bye bye hein, les mecs. Hein. Continuez comme ça, c'est très bien, vous êtes parfait là où vous êtes. Un point de sauvegarde. Bah écoutez les amis, on se laisse là pour cet épisode. Merci de l'avoir aimé. N'hésitez pas à le pouce, le commenter, le partager, vous abonner. Et moi je vous retrouve dans le prochain, demain, pour la suite des aventures de Donald, Sora et Dingo dans Kingdom Hearts 3, dans le monde de Pirates des Caraïbes. Salut les gens et yop!